Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On continue l'aventure. Donc si vous avez bien suivi, on a récupéré les clés donc hier. Voilà, j'avais commencé à faire un petit ménage, on va dire superficiel. Donc là j'y retourne avec le seau, le balai, tout ce qu'il faut pour faire vraiment un bon nettoyage, on va dire désinfecter plutôt. Voilà, en sachant qu'Ahmed de son côté doit se rendre dans l'entrepôt, puisqu'on a rendez-vous avec l'agence qui va ramener les transporteurs qui vont ramener nos affaires. Donc du coup il va là-bas pour ramener les affaires, et moi ça me laisse 2 heures pour vraiment nettoyer le sol. Bon, la personne a nettoyé, mais je vous assure que ouais, je suis quand même une psycho du ménage sincèrement, et que tant que j'ai pas nettoyé ma façon je peux tout simplement pas poser mes meubles. Et c'est vrai que j'ai envie de on a encore l'Airbnb pour quelques jours, mais j'ai envie d'être ce soir chez moi, si possible. Donc du coup, je suis motivée à fond pour vraiment nettoyer le sol, les plaintes. J'ai vu que toutes les plaintes n'ont pas été nettoyées. Je crois qu'elles n'ont jamais été nettoyées tout court. La cuisine, bref, vraiment, on va faire ça. On va faire un bon nettoyage lorsque le camion va arriver. Normalement, tout sera sec, nettoyé, propre, et on pourra directement poser en tout cas le plus gros des affaires, en sachant que voilà, mon objectif, c'est impossible de toute façon, je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais on doit monter les lits, c'est plus important, canapé, la table avec les chaises, le meuble TV, et après, ben, le reste, franchement, c'est pas urgent, on fera ça tout doucement. Donc voilà, écoutez, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Donc du coup on va se rendre dans l'appartement. J'ai tout laissé hier ouvert, histoire d'aérer. Et on va attaquer. On est arrivé. Bismillah. Allez, c'est parti, on va bloquer la porte. Hop. Voilà, allez, c'est parti. On va continuer avec la salle de bain qui est en bas, la chambre des filles et le bureau. J'en peux plus, je suis crevée là, sincèrement. Oh, ça va être dur. Je sens que ça va être chaud. Hop, on va poser la caméra ici. Ok, dans chaque pièce, j'ai oublié de faire le haut. Je nettoie toutes les l'intérieur de la garde-robe et je laisse ouvert. Je vais faire en haut, là j'ai oublié. Oh là là, j'en peux plus. On a fini le premier étage, allez. Ouh, on monte. Oh mince, j'ai failli pas me gâcher. Je vais monter en haut, je vais faire les escaliers, mais en commençant par le haut. Ah, voilà. Hop. On va ouvrir en grand. Est-ce que la porte, elle tient? Mince, elle tient pas. Elle tient, elle tient pas, elle tient pas. Les fenêtres. On ouvre toutes les fenêtres. Oh, c'est super haut. Et c'est parti, on va attaquer. Ah, le haut. Ouh, ça y est, on a bientôt fini. Il me reste ma chambre. On va attaquer ma chambre. En sachant que là, la garde-robe, elle est gigantesque. Alors, je vous montre juste en fait ce que je fais une fois que j'ai tout nettoyé, l'intérieur des garde-robes et tout.
il est où mon spray? Il est là, suivez-moi, suivez-moi. Je prends ce spray ici, c'est un spray désinfectant. Il est là. Un spray désinfectant. Et alors je le vaporise partout et donc je laisse sécher. Voilà, c'est vraiment en plus, hein, mais bon. Voilà, allez. Franchement, j'ai trop hâte de finir ça. Let's go. C'est parti. Nettoyer la garde-robe, comme ça je vais vraiment mettre beaucoup d'eau et ensuite mettre ça dans la salle de bain directement. Ouh, coucou, ça y est, c'est fait. Regardez derrière en bas, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les trois camions? Nos affaires sont là et je viens pile de terminer. Tout est sec, tout est propre. Ah non, j'ai oublié de faire l'intérieur de la garde-robe. Mince, j'ai fait l'intérieur mais je n'ai pas nettoyé le sol de la garde-robe. J'arrive, j'arrive. Voilà, ça y est, là c'est bon, c'est fait. Je vais redescendre avec les seaux. Oh, je vais peut-être laisser, je crois que je vais laisser un seau ici. Ouais, je vais laisser un seau ici comme ça. Un en haut, un en bas. Donc là, il va falloir dire au mec où poser les affaires, où poser les cartons. On a été récupérer une visseuse pour pouvoir monter les meubles. Allez. Non, je suis contente là, ça va. Ça sent le propre. C'est propre. Yes. On va faire un plastique. Et on va jeter tout ce qu'on n'a pas besoin. Les affaires commencent à arriver tout doucement. You want to say hi? Hello. Voilà, donc on va commencer à... Je vais poser la caméra parce qu'en fait, il faut que je leur dise où poser chaque chose. Donc on va poser la caméra dans un coin ici. Et voilà. C'est bien, hein? Ouais. Franchement, ça m'aide. Ils sont vraiment pro. On recommande à 1 milliard pour cent. Regarde, ça, c'est le lit de Haroun. J'ai envie d'ouvrir les trucs, j'ai envie de me dépêcher en fait. Ils font pas de montage? Ils pas de... Non, ils mettent pas. Hein. Ok. On n'est pas censé aider, mais on aide quand même. Solidarité. Allez, hop. Hop là. Allez, on va tout pousser sur le côté. Le sac du bled, vous le reconnaissez? Hein? Faites un petit like si vous le reconnaissez. Pourquoi la lumière, elle est allumée? Où est la lumière du toilette? L'interrupteur. Je sais pas. Ça, on va pousser ici. Il nous manque la barre du lit. Je crois qu'on l'a oublié là-bas. Ça, c'est problématique si on n'a pas la barre du lit. J'ai vidé les cartons ici, donc voilà, les vêtements des filles sont bien rangés, là où il faut. Les pyjamas, tout est là. Du coup ici, étant donné qu'il y a énormément de place dans la garde-robe, je vais mettre les vêtements de Haroun aussi. J'ai pas encore terminé. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter, je vais prendre tout ça en haut. Tous les cintres doivent monter en haut et on se retrouve en haut, allez. Bon, je suis au bout de ma life. Alors... Oh punaise, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils avaient pété la vitre. Mais en fait, c'est du caca de pigeon. Alors, tout est ok, sauf une chose. On a perdu, durant le déménagement, la barre de notre lit. Donc du coup, le lit, en fait, le matelas, il est posé comme ça, à même le sol. On va devoir en racheter une. On va appeler notre homme à tout faire et on va essayer de s'arranger.
Voilà, on avance tout doucement. Je suis toute seule à la maison. Ahmed, il est reparti bosser. Les déménageurs, ils sont partis. Donc là, je suis en train de faire le carton de foulard. Je prends vraiment au fur et à mesure ce que j'ai devant moi. Comme ça, c'est plus simple. Franchement, c'est long. Voilà. Grab. Oh, purée. Voilà. J'ai toujours mal à mes cuisses. McDo, hamburger. 1 litre de coca. J'ai besoin de sucre. Franchement, je suis crevée. Je vais manger et je vais continuer. Là, je suis motivée. Catastrophe. J'ai mis trop de vêtements, la barre elle est tordue. Je crois qu'il y en a une deuxième, je vais la remplacer. Je vous assure que j'ai donné, vendu 3 ou 4 ou 5 fois ça. Je pensais que j'avais bien trié, mais je vous assure que je vais refaire un tri parce que juste, c'est pas possible. Oh my god, my god. Il est tard, écoutez, j'ai trouvé une solution, j'ai retiré les manteaux qui sont lourds et j'ai fait un carton avec les choses à donner. Donc là, il faut que je fasse descendre tout ce que vous voyez là et je vais partir parce qu'il est tard. Voilà, je suis KO. Oh, voilà, on arrive à la fin de la journée. Demain on va tourner tout ça. Vous voyez, pour l'instant j'ai mis le canapé, il est gigantesque en fait. L'appartement qu'on devait avoir normalement était hyper grand, mais c'est vrai que là pour le coup il est gigantesque. Mais je pense qu'on va le tourner demain. Ouh. On va le tourner dans cette direction, comme ça la télé sera là-bas. Je sais pas, on verra. J'ai ici les tapis, il faut que je me décide lequel je vais mettre. Je crois que je vais pas mettre le tapis perse, je vais mettre le tapis là en jute. Et alors j'ai acheté un tapis un peu inspiration berbère, blanc. Au début je voulais le mettre ici, mais avec les enfants c'est même pas la peine. Donc du coup je vais le mettre en haut dans la chambre. Voilà, donc ça là-bas je vais le vendre, mon paravent chinois, tout simplement parce que je pensais qu'on allait avoir une grande chambre d'amis et je voulais acheter, vous voyez, en fait je voulais l'utiliser en tête de lit. Mais je vais le vendre parce que franchement on a galéré pendant le transport. Il fallait faire hyper attention parce que je vous montre les détails, en fait c'est brodé, vous voyez, tous les motifs ils sont brodés. Et il y a une plaque en verre. Et franchement, ça a été juste galère. Ils nous ont cassé un tout petit bout de bois. Non, franchement, je ne me vois pas le reprendre encore, déménager avec, etc. Et surtout, ça ne suit pas du tout avec la déco de la maison. Vous voyez, ça ne suit pas du tout. Donc là, je l'ai juste ouvert. C'était pour vérifier l'état. Prendre les photos, mais je vais le mettre en vente. Oui, je vais changer tout ça. Il nous manque un peu de rangement. Donc cette cuisine ici, elle doit monter en haut. La cuisine des enfants, Toys, je vais aussi faire le tri, un carton à donner. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on accumule? Pourtant, j'ai pas énormément de choses. Et alors, la dernière chose qui va me rester à faire... Ah oui, regardez. Franchement, je suis super contente parce que les tabourets ici, on les avait achetés pour un bar. Le bar qu'on devait avoir dans l'appartement en Malaisie. Finalement, appartement qu'on n'a pas puisqu'on reste à Singapour. Et écoutez, ça rentre pile poil sec pour Rania, Mariam et pour Haroun. Voilà, j'ai nettoyé le frigo et tout ça. Il me reste la cuisine. La cuisine, je vous la montre même pas. Si, en fait, je l'ai nettoyée, hein. Elle est où la lumière? Je sais pas où elle est la lumière. Je sais pas où elle est la lumière. Mais il y a plein de cartons. Ce carton là je pensais qu'on l'avait perdu. C'est mon maquillage. Ouh. Une partie de mon maquillage. Et les médicaments. Donc du coup je vais enlever les médicaments, les mettre ici en hauteur. C'est jamais avec les enfants. Et alors j'ai pas tant de vaisselle que ça franchement. J'ai ça ici, rien que ça. Ce carton, il n'y a que mon juicer dedans. Donc il n'y a rien du tout. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça va franchement, 5 carton, en sachant qu'il y a un carton avec toutes mes épices, mes plantes et tout ça. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alhamdoulilah, enfin alhamdoulilah, j'ai hâte d'être demain matin. Normalement on devait venir ce soir, mais j'ai dit à Ahmed laisse tomber, on reste encore une nuit de plus dans l'Airbnb puisqu'on de toute façon on a les clés normalement jusqu'à la fin de semaine. Et demain matin inshallah on vient ici. J'espère que les filles vont être super contentes. J'ai essayé d'arranger leur chambre, j'ai commandé des trucs chez Ikea qui doivent arriver, mais en gros je vous montre rapidement. J'ai laissé tous les cartons, en fait il faut que je range tout ça, mais voilà la chambre. Donc tout ça c'est vide, enfin il n'y a pas tant que ça, il y a 4 cartons. J'y vais les filles, parce que ça c'est mon grab. Oui Ahmed, il est là? Allô? Oh mince, j'ai pas de connexion. Il est là, j'y vais, allez, bisous les filles, à bientôt. Prenez bien soin de vous.